merci beaucoup. Ah, très bien. Je suis du Kenya. Je suis très heureux de recevoir une femme. Très bien. Très, très bien. Merci beaucoup. C'est très bien. Ça va, c'est très bien. C'est les femmes qui ont été soulevées. Monsieur le Président, je suis très heureux d'abord de vous recevoir avec toute l'équipe qui vous accompagne. Je suis toujours une sensibilité particulière pour les juristes et surtout pour ceux qui officient dans le cadre de l'activité de l'Afrique. Nous avons beaucoup besoin du rôle que vous jouez parce que nous avons engagé chez nous ici en Tunisie, mais aussi dans tous d'autres pays africains, un processus démocratique. Or, nous n'avons pas de culture de la démocratie. Et la démocratie, ça ne décrète pas. Elle se pratique. Et dans la pratique, il faut bien un régulateur. Et le régulateur, ça ne peut être que le juge. Je sais qu'on critique beaucoup la justice, pas toujours indépendante. Il vaut mieux ça que rien du tout. Et qu'on continue dans les errements du passé. Il faut admettre que l'état de droit aussi ne se décrète pas, il se pratique. Et nous faisons beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Ça ne veut pas dire que maintenant, nous sommes dans une démocratie. Nous sommes dans un processus démocratique que nous espérons évolutif. Je le dis pour nos amis africains, il faut qu'ils comprennent que si nous voulons être complètement indépendants, si nous voulons évoluer, si nous voulons diminuer le cap qu'il y a entre nous et les pays européens, etc., dans tous les domaines, il faut faire des investissements dans ce domaine-là. Dans l'enseignement d'abord et dans les femmes aussi. Voilà ce que j'ai à vous dire parce que c'est notre expérience. Mais nous, Africains, nous devons d'abord rester solidaires. Et effectivement, si nous ne sommes pas solidaires, nous perdons des chances de réussir. Nous devons rester solidaires. Nous devons aussi faire de sorte que tous les pays africains s'engagent dans le même mouvement et j'espère que nous serons ainsi sur la bonne voie. Je suis très heureux, Monsieur le Président, Messieurs et Mesdames, bien entendu, de vous avoir reçu. J'espère que votre séjour en Tunisie vous a permis de comprendre pourquoi la Tunisie maintenant est à ce stade. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de problème. Nous avons même des problèmes qui semblent être insolubles. Mais au fond, il n'y a pas de problème insoluble. Nous ferons le maximum pour les résoudre, mais de les résoudre calmement et dans le bon sens. La visite de courtoisie au président de la République de Tunisie ce jour s'inscrit dans le cadre d'informations et de remerciements à son Excellence. Remerciements parce que la Tunisie a bien voulu accueillir la Cour dans sa 51e session. La Tunisie a bien voulu accorder également les commodités les plus optimales pour permettre aux juges, aux fonctionnaires de la Cour de pouvoir
tenir cette session ici à Tunis. Le choix de la Tunisie pour abriter la 51e session de la Cour n'est pas un hasard. Ce choix a été motivé par le symbole que représente la Tunisie post-révolution dans le cadre des réformes engagées, dans le cadre des réformes profondes et déterminées qui ont jalonné toutes ces années, n'est-ce pas, la vie tunisienne. Ce n'est donc pas un hasard de tenir cette session ici à Tunis, d'autant plus que la République tunisienne a toujours manifesté un soutien aux droits fondamentaux, notamment en tout cas en ce qui concerne la reconnaissance de la juridiction de la Cour africaine des droits de l'homme, en ratifiant bien évidemment le protocole portant création de cette Cour, mais également en faisant une déclaration sans réserve pour permettre aux organisations non gouvernementales et aux individus de pouvoir saisir directement la Cour africaine en cas de violation alléguée des droits de l'homme. C'est donc une opportunité pour nous de pouvoir dire que la Tunisie est donc un modèle en matière d'émulation qui peut permettre donc une émulation des autres États africains pour la reconnaissance en ce qui concerne la Cour africaine, pour la protection des droits de l'homme en Afrique. C'est donc l'objet de notre visite au chef de l'État ce jour.